Salut à tous, aujourd'hui très courte vidéo pour juste vous montrer un nouveau coupe d'oiseau que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un coupe de chardonnay élégant, donc elle est un petit peu craintive parce que c'est à la nouvelle arrivée, je l'ai acheté il y a une petite semaine. C'est vraiment une cage temporaire parce que je vais réaménager ma pièce, donc j'ai recommandé des cages. Donc il y aura plus de cages, nouvel aménagement de pièces, donc tout ça sera pour une prochaine vidéo. Donc là je fais juste une toute petite vidéo pour vous montrer. J'ai acheté un coupe de chardonnay élégant, donc en tout ça m'en fera deux, donc hop, celui-ci et celui de là-bas tout en haut, voilà. C'est vraiment une toute petite vidéo, voilà. Je fais vite une petite vue de mes ratas, hop. Donc cette femelle ici, elle a pondu deux œufs à terre, donc dès que j'ai rassemblé mes cages, hop, installation des nids. Là je suis à 14 heures de lumière, donc tout doucement ça va les chauffer. C'est vraiment une toute petite vidéo, hop, ici, même le plus bel oiseau. Ça va plus comme sur lui. J'ai vraiment hâte d'avoir des jeunes avec celui-ci. Il a juste un mal. Hop. Et vite fait un petit tour pour vous montrer comment vont mes oiseaux. Hop. Demain c'est le nettoyage des cages. La semaine prochaine j'aurai mes nouvelles cages. Donc j'ai recommandé 3 cages blanches comme ça. J'ai tout bien réinstallé. Hop. Ici. Encore un rat. Je vais faire une belle mise au point. Pas facile. Hop. Donc, si il est un peu noir, c'est parce qu'il va dans le charbon en fait, c'est juste ça. Ici, je crois que je viens l'entendre de chanter, donc ça me rassure, j'ai enfin mes ratas qui chantent, pas tout doucement. Hop, avec cette femelle. Femelle bleue. Hop, on va se faire une mise au point. Hop, 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 vite fait une petite vue sur mes chardonnay, femelle à gauche, mâle à droite, donc femelle prête, elle rappelle pas mal le mâle aussi. Hop, ici, cidre en brun, aussi il rappelle un peu, hein, pas mal. Hop, ici, cidrin, mutation classique, donc c'est du classique. Donc les cidrins, toujours les graines, je commence à les chauffer avec du buffalo, donc du buffalo vivant. Donc vous voyez, je mets des petits godets comme ça, une fois le mâle, une fois la femelle. Ici, coupe carponate, femelle canari, donc j'ai posé une ligne pour voir s'ils étaient prêts, mais le mâle est un peu plus tôt que la femelle, donc on va encore un peu attendre. Et hop, après il y a les rossignols, hein. On va essayer de faire une petite mise au point. Voilà, c'est vraiment une très courte vidéo pour dire de faire une vidéo pour vous annoncer que pour la prochaine vidéo sera tout dans un réaménagement de la pièce avec des nouvelles cages. Aussi pour vous montrer hop, mon nouveau coupe de chardonnay. Voilà, c'est une vidéo très très courte, donc je fais un petit coucou à mon ami Jonathan, à mon ami Greg, à mon ami Bernard, à tous les youtubeurs. Un petit coucou à Régis si tu vois cette vidéo. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo les amis, ciao ciao.